Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc., peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Donc, Hawk, tu vas passer ton rite d'initiation. Le temps a passé. Tu vas passer ton rite d'initiation. Il est l'heure. Tu sais qu'il y a eu quelques jours qui sont passés. On t'a un peu formé, etc. Encore qu'on t'a parlé un petit peu de l'Umbra. Et tout ça. Par contre, tu sais qu'on ne te parle pas énormément de la meute et de ce qu'ont prédit les esprits pour vous. C'est quelque chose qui est un petit peu mis de côté pour l'instant. Ils veulent pas trop te pousser avec ça parce qu'ils sont même pas encore sûrs que ce soit vraiment toi. Tu as désormais prouvé que tu es bien la personne qui était choisie par les esprits. Tu sais qu'il fait la nuit est en train de tomber sur le 7. Petit à petit. Des torches ont été placées. Un petit peu partout, tu vois, sur ce chemin que tu vas devoir emprunter de ce côté. Petit à petit, les gens, des personnes que tu n'as jamais vues, qui sont peut-être de la parentèle, d'autres qui sont peut-être de jeunes louveteaux aussi, tu ne sais pas trop, sont là. Et tu entends. Des musiques. Une musique. Tu entends des loups faire des bruits. Crier. Un grand loup se trouve devant toi. Et la mère de Tanière, qui s'est beaucoup occupée de toi jusque-là, Julia, est avec toi. Et elle est en train de te mettre de la peinture autour des yeux. Elle est en train de te préparer pour le rite. Avec ça, elle te donne un collier. Autour. Et tu as de la peinture autour de toi aussi. Tu es torse nu. Et la mère de Tanière te dit, ça va bien se passer, Hawk. Tu peux te diriger vers Kenneth, le chef. Alors, elle se recule. Elle te dit, je serai là tout à l'heure, à ton retour. Je vais devoir aller m'occuper de ma famille. Je reviens. Courage, Hawk. Merci. Ma deuxième famille. Donc tu peux Et y aller. du coup, je vais... Le loup Je est vais devant prendre toi. mon... Et il t'attend. Là, du coup, tout en avançant, je vais prendre le pendentif de ma mère et je vais l'embrasser. Et avancer fièrement. Alors, le loup t'accompagne. Il avance au fur et à mesure avec toi. Tu peux voir qu'il y a des torches un peu partout. Tu vois Esteban qui est levé sur son rocher et qui te fait un signe. Je lui rends le signe en passant.
Le loup se dirige vers Kenneth au fur et à mesure. À chaque fois que tu passes devant quelqu'un, il te lance un petit peu d'eau sur toi un peu. Tout en chantant. Le loup s'approche. Et il s'assoit. Et... Kenneth tend les bras vers toi. Fais. Bienvenue, jeune louveteau. Approche, viens dans l'eau. Je me place devant. Donc, tu te places dans l'eau. L'eau t'arrive à peu près au bassin. Et Kenneth est sur toi, devant toi. Et il te fait ton épreuve d'initiation est désormais là. Tu n'auras qu'une épreuve, mais qui ne sera pas forcément la plus aisée. Tu vas devoir trouver l'esprit renard dans la forêt derrière, du coin, et gagner la reconnaissance de ce dernier. Tu dois revenir avec de la gnose de ce dernier. Tu vas devoir, dans un premier temps, communiquer avec les esprits des animaux pour trouver l'esprit renard. Une fois que l'esprit renard sera trouvé, tu gagneras sa reconnaissance. Une fois que ça se sera fait, tu pourras revenir ici, fier de toi. Très bien. Fais attention à toi, l'esprit du renard est rusé. L'esprit renard du coin est très rusé. Je ferai attention alors. Courage à toi. Courage à toi, Hawk, du 7 des Pins Dorés, enfant de Gaïa. Tu es avec nous, et comme nous. Utena ou non, tu es un enfant de Gaïa. À toi de jouer. Du coup, je vais prendre mes lunettes. Très bien. Et je vais me décaler avec. Tu te décales directement ici? C'est dans la forêt d'à côté. Oui, bah, de toute façon, je peux la rejoindre via l'ombre. Oui, tu peux y aller via l'ombre. Donc, t'y vas? Oui. Tu te diriges dans la forêt tout en te décalant. C'est ça. Donc, ok, tu viens de te... Tu reviens de là. Tu viens de te... décalé. Dans le monde de l'ombre. Jette-moi un jet de gnose, tu l'as pas fait en fait. Ah oui. Excuse-moi. Alors. Tu as la difficulté 4, tu t'es décalé au 7 en plus. C'est bon. C'est vrai que. Donc tu t'es décalé, tout s'est bien passé. Donc tu es tu es dans la forêt. Tu aperçois tout le temps les sortes de femmes plutôt bien vêtues, jolies, et qui bougent un petit peu. Et Luna est resplendissante encore une fois. Et tu vois des filaments un peu bleutés, un petit peu passés à droite à gauche autour de toi. Et tu vois qu'ils viennent même un petit peu vers toi, comme si tu attirais les esprits, vu que tu attires un peu les esprits en plus. Du coup, je vais avancer. Et à part les esprits des arbres, j'en vois pas d'autres. Actuellement, tu ne vois rien. Tu peux lancer un vigilance plus perception pour essayer de repérer des esprits du coin. Ouais, je vais déjà commencer par faire un, alors, un petit tour. Petit rappel, hein, un esprit par exemple, je sais pas si... sans parler des esprits élémentaires, mais pour les animaux par exemple, il faut qu'il y ait quand même un gros attroupement d'animaux de telle sorte et qu'il soit bien pour qu'il y ait un esprit de cet animal-là. Genre les aigles, tout à l'heure, c'est parce qu'il y a beaucoup d'aigles ici, etc. T'as pas un esprit genre de l'aigle si t'as qu'un aigle qui passe. Ouais.
Et ils reflètent aussi leur. Là, ils sont bien, par exemple, les armes, mais s'ils étaient malades, ça veut dire que. Ça reflète vraiment la réalité. Alors. Ok. Alors, tu aperçois. Un esprit, plus loin. Qui passe. Un esprit, une sorte de lapin blanc. Grand, très joli. Sortir des buissons. Et déambuler. Du coup, j'ai essayé de me rapprocher de lui. Ouais. Alors, le lapin va se planquer un peu là, va un peu dans les buissons. Et te regarde. Du coup, je l'interpelle. Bonjour, esprit du lapin. Il te regarde. Bonjour. Puis il te regarde et il fait... Que puis-je pour toi, Louveteau? Je cherche l'esprit renard. Alors tu as un aimant à esprit en plus, hein, donc il va plus facilement vers toi, il s'ouvre plus facilement. Il te fait... Pourquoi est-ce que je te dirais où se trouve l'esprit du renard? Parce que je pourrais t'aider en retour. Très bien. Il y a un moyen de m'aider. Et il te fait. Il y a des chasseurs et des trappeurs dans le coin. Et ils viennent tous les soirs, ils tuent de plus en plus des miens. Il faudrait que tu les fasses fuir. Sans les tuer, évidemment. Mais. Enfin, sans les tuer, ça il te le dit pas. Hein. Il dit, tu fais ce que tu veux. Il faudrait que tu les fasses fuir. Qu'ils ne reviennent pas. Je pense pouvoir faire ça. Je vais faire ça pour toi. Et si après tu pourras m'aider en retour, ce serait fortement aimable. Je t'indiquerai ensuite où se trouve l'esprit renard. Mais attention, l'esprit renard... n'aime pas qu'on dise où il se trouve, donc ne parle pas de moi. Ce restera un secret entre toi et moi. Du coup, ouais. Du coup, je vais me redécaler. Très bien, tu peux relancer un jet de gnose. J'ai pas vu le résultat. Ah, t'as pas vu le résultat? Bon, moi je te le relance. Non, vas-y, c'est bon. Attends, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ah bon. Il s'était juste pas affiché sur le. J'ai cliqué en même temps. Ok. Alors, 3, donc, 7, 4, 10. Tu arrives à te redécaler. Tu es absorbé par tes lunettes et tu te redécales dans notre monde. Tu es en pleine nuit. Il y a pas beaucoup de lumière par contre. En forêt. Est-ce que j'entends du bruit aux alentours? Actuellement, non. Tu peux lancer encore un jet de perception plus vigilance. Ou alors utiliser ton odorat. Que tu peux aussi. Plus. Intuition primitive. C'est perception plus intuition primitive. Que le. Du coup, ça fait 5 attaques. Ça marche, c'est parti. Ok. Tu ne sens rien d'un échec, tu ne sens rien. Du coup, je vais marcher un petit peu en espérant tomber sur des traces. Très bien. D'humains. Donc tu marches en forêt. Tu aperçois des outils de trappeur. Enfin, il y a des sortes de filets, enfin des sortes de collets pour les lapins. Du coup, je vais casser le piège en passant. Tu casses le piège, ok. Et je vais essayer de regarder si je trouve pas des traces de pas autour ou autre. Alors, tu peux me lancer du perception plus vigilance cette fois. Alors tu vois
quelques traces de pas qui t'amènent de ce côté. Ça marche. Du coup, je vais aller par là. Je suis la piste en essayant de rester toutefois discret. Alors, tu entends parler. Il y a l'air d'avoir des gens. Sûrement les trappeurs, les chasseurs. Tu as l'air de voir trois personnes. Est-ce qu'ils font quelque chose en particulier ? Ils ont l'air de parler ensemble. L'un d'eux a un fusil. Et les autres ont du matériel sûrement pour attraper pour les lapins. Et un d'eux a plusieurs lapins attachés sur lui, en train de partir. Enfin, qu'ils ont récupéré dans les collines. Je vais tenter de transformer. Tu peux aussi voir que l'un d'eux a un truc de pendentif avec une queue de lapin qui porte d'honneur. Je vais tenter une transformation en lupus. Ok. Pas le gros loin, bien le lupus. Hein. Ok. Ah ouais. Ok, vas-y. Donc tu peux vigueur plus intuition primitif et tu as difficulté. Tu peux utiliser ta rage. Si tu veux, tu peux utiliser un point de rage directement pour te transformer sans galérer à te transformer si tu veux. Ou sinon, pour l'instant, tu dois faire 1, 2, 3, 4 réussites. Bon, pour l'instant, j'ai essayé une première fois comme ça. Pour l'instant, ils m'ont pas vu. Ouais. Donc, plutôt pas mal. Du coup, je relance le D10. Non, on fait plus les relances de 10. Ah. Du coup, non. 4, tu avais 4. Que t'as 8. Alors c'est dommage, hein. À une réussite près. Alors tu vois, tu te transformes fur et à mesure et tu vois que tu es en dispo actuellement. Bah, ce sera suffisant. Tu as un loup énorme. Vraiment le loup incroyable. Quoi. Ça marche. Entre temps, pendant ce temps-là, ils sont pas bougés. Ils sont en train de parler. Il y en a un qui est en train de rigoler. Ils ont des bières à la main. Du coup, je vais me mettre plus ici. Et je vais commencer à pousser un hurlement. Ok. Alors, tu as en plus une liste d'hurlements dans l'aide de jeu que je t'ai fait. Qui peut te dire si tu as besoin d'un hurlement spécial. Alors, tu essaies de faire un hurlement assez flippant. C'est ça. Ok. Alors il y a une sorte de gros hurlement, surtout en dispo. Ça ressemble un petit peu à un loup, mais un peu plus grave, on va dire. Alors les trois hommes se retournent. Bordel, c'est quoi ça? J'en sais rien. On dirait qu'il y a un loup. Puis l'autre arme son arme à feu. C'est un fusil de chasse. Et il fait « Ah, ça peut être intéressant, ça, un loup. » Et tu commences à avancer un peu. Je vais mettre plus loin en essayant d'être le plus discret possible. Ok. Hop. Pour attendre qu'il y en ait un qui tourne le dos. Alors, les humains s'avancent un peu là où ton dernière position. Ils sont en train de fouiller un petit peu dans les buissons. Et il y en a un qui fait « Non mais les gars, on devrait pas trop traîner quand même. » Tu vois qu'il y en a un qui a un peu peur. Les deux autres pas trop, pour l'instant. On va peut-être pas rester ici. S'il y a un loup, ça veut dire qu'il y a souvent une meute. Hein. Puis l'autre il fait « T'inquiète pas, je vais leur plomber le cul, ils vont rien comprendre. » J'attends de voir s'il y en a un qui sort du groupe ou s'il reste à 3. Actuellement il reste à 3. Je vais repousser un deuxième hurlement. Ok. Histoire de bien les mettre en jambes. Le deuxième hurlement arrive. Les deux hommes se retournent là-bas. L'autre, il y en a un qui a peur, qui fait oh, on devrait partir et tout. Et les deux font attends. Puis ils arrivent de ton côté. Par contre là tu vas me lancer un dextérité plus furtivité. Ouais. Pour voir si t'en veux ou pas.
Alors, fais. C'est parti. Ah oui, j'ai oublié de compter mon bonus. Oui, tu as utilisé les bonus de ta forme. C'est ça. Oula. Crois-crois, le 20 Jedi. Non, c'est bon. Alors, ok, très ok. Ils t'ont pas vu. Tu es dans les buissons. Tue la Alors, nuit. ils sont en train d'avancer fur et à mesure. Viens toi. J'attends qu'ils approchent au plus près de moi. Alors tu vois que là ils sont à peu près à 2 mètres de toi. Ils t'ont pas vu. Ils vont passer dans le chemin là. Ça marche. Je vais attendre qu'ils passent. Ok. Alors tu vois qui passe. L'homme au fusil et celui le plus loin. Et celui en avant. Et le dernier, c'est celui qui a envie de partir et qui a pas envie de rester là. Justement, au moment où ils sont dos à moi, je vais foncer et attraper le dernier avec ma mâchoire et l'entraîner plus loin. Tu tentes de beaucoup blesser ou pas? Oui. Ah, tu le blesses quand même? En fait, je le chopais à la jambe, le mordre assez fort, tout en le traînant loin de ses petits amis. Tu es un dispo, hein. Et ce sont quand même, ce sont juste des humains. Oui. Ok. Mais il faut faire un exemple. Attention, tu es enfant de Gaïa quand même. Mais ouais, vas-y. Ouais, bah, c'est un Donc, pour sauver c'est des morsure. lapins. Mais fais gaffe parce que un morsure, c'est plus un dé de dégâts en dispo. Bah, je le tente quand même. Parce que tu sais que le mec, le dernier, c'est celui qui flippe. Hein. Je veux dire, si tu sors, il partira. Le dernier partira en tout cas. Les deux autres, l'autre risque de te tirer dessus. Mais Ah oui. c'est celui qui flippe. Non. Hein. C'est celui qui veut pas. C'est pas le mec avec le fusil. Hein. Après, tu peux, hein, Non. mais c'est le pauvre, Je il a sais. déjà peur. Non, je vais pas lui donner un coup de morsure, je vais lui foncer dedans. Ok. Bah, parce que vu que la taille que tu fais, en fait, c'est déjà. Voilà. Ouais. Hein. Je vais faire bélier. Ok. Pas de Pour le soucis. dégager par enfin, par là, quoi. Ok. Du coup, c'est quelle strophe? Alors, là, tu vas charger tout simplement. Tu vas faire un plaquage dextérité plus bagarre. Difficulté 7. Ça marche, c'est parti. Et là, tu lui feras pas de mal en plus. Il va être égratigné par terre. Ok. Alors, tu fonces. En plus, il ne s'y attend pas. Le loup passe, tu es grand, tu fonces vers lui, l'homme fait ah! Et pff, il se prend, il te. Enfin, tu le fais totalement tomber, tu vois, pff, il roule par terre jusqu'au buisson. Qu'est-ce que tu fais juste quand t'as foncé? Tu es juste là, on est d'accord. Du coup, je vais le choper par le tissu, enfin par le son jean Alors, par contre, le moment où ou par un vêtement. tu tentes de choper son jean, les deux autres se retournent. Oh bordel! Là t'es prêt de te tirer dessus. Bah, du coup, je vais bondir dans les buissons. Dextérité plus athlétisme. T'as un caribou? Si tu loupes, tu te fais plomber. Ah! Ah bah, dit comme ça donne envie. Ça passe. Juste! Une réussite. Ok, donc au moment où tu bondis, il te tire dessus, il te loupe, mais de peu, tu sens pff, la balle passer pas très loin de ta cuisse. Pff, tu passes. L'homme qui est par terre se relève, il fait, en s'essuyant, il fait, putain, il était énorme et tout. Puis les autres font, non mais, c'était quoi ce truc? Puis celui avec l'arme à feu dit, non mais c'est parce qu'il fait nuit, il semblait gros mais. Et celui qui panique à terre, il fait, non mais je vous assure, il était énorme, j'ai jamais vu un loup pareil. C'est pas possible, il était énorme. Il a foncé contre moi, je l'ai bien vu. Un loup m'aurait jamais fait ça. Et l'homme avec son fusil fait, bon t'arrêtes, tu te calmes, on doit plomber ce truc, ok? Et puis le dernier homme fait, non mais les gars, c'est bon, je pense pas que ce soit nécessaire de poursuivre un loup en pleine nuit dans une forêt. Et l'homme avec son fusil fait, c'était pas un loup ce truc.
Ça va être une belle. Il va avoir une belle place dans ma collection. Je vais empailler ce machin. Ouais. Le gars avec le fusil, il a combien de distance de moi? 3 mètres à peu près. Ah, un petit saut. Parce qu'en fait, j'aimerais sauter et lui arracher le fusil. Après, tout dépend s'il est dos ou face. Il est en train de regarder là-bas. En courant assez vite. Je sais pas, est-ce que tu m'autorises l'action ou pas? Mais si tu veux, tu peux le faire. Après, ils sont déjà un peu en panique. Donc, je sais pas si t'as besoin de faire un rentre-dedans direct, mais tu peux. Bah, ça les fera bien courir, hein, là. L'eau qui a le fusil dans la bouche, c'est fini. Hein. Tu peux soit ça, soit tu peux. Enfin, y a tellement de possibilités de les faire s'enfuir. Après, tu peux aussi utiliser l'ombra pour apparaître dans d'autres. D'autres coins pour faire comme si tu étais à plusieurs. Tu peux faire plusieurs. T'as des astuces après si tu veux, ou tu peux tenter le fusil. Allez, je vais rester sur ma première idée. Vas-y. Je suis joueur. Tu peux. Alors du coup, c'est Dex et. Dex plus athlétisme. Ça va. Donc ça fait. Ça va être une difficulté de 9 par contre. Ça marche. Et du coup, j'utilise un point de volonté. En plus, ça peut être marrant. Ouf. Ok. Alors, tu bondis, tu sors du buisson, tu arraches le fusil du mec pendant qu'il était en train de parler. Tu l'as dans la gueule. Et est-ce que tu t'enfonces avec dans la forêt ou tu restes? Ouais, je m'enfonce avec, en fait, je me barre avec. Tu te barres avec le fusil. L'homme qui prend peur, ah, il revient. Tu vois, commence à reculer et tombe de la falaise et s'écrase au sol avec tous ses pièges, etc. L'autre homme commence à partir de peur. Et l'homme avec le fusil fait oh, putain de merde, reviens là, espèce de. Puis il commence à courir, puis il commence à trembler un peu des jambes. Puis il commence à faire reprendre ses lapins un petit peu sur lui et courir aussi. Mais putain, c'était quoi ce truc? Ils sont tous en train de partir. Ça marche. Bah du coup je vais repasser en forme humaine, forme obidée. Ok. Donc tu as lancé le G de Ispo, 1, 2, 3, ça te fait 3 réussites. Du coup c'est astuce et... C'est vigueur et primitive. Oui, vigueur, excuse-moi. Intuition primitive, pas de soucis. Alors tu arrives à passer en Crinos. En Crinos. Oh, ce sera mieux que rien. Après tout, c'est ma forme de base. Bon bah, je vais mettre mes lunettes. Donc tu peux mettre tes lunettes en forme Crinos, oui. Ouais. Et du coup, je vais me redécaler. Très bien. Redécaler. Alors, un gâché de Knoz. Difficulté 7. Ça marche. Avec le moins 2 qui est compté dedans pour... Le moins 2 pour les lunettes. Ah oui, 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 bien vu. Il y a le moins 2 des lunettes. Ouais. Du coup, c'est 5 alors. 5. Ça marche. Très bien. Oh. Donc tu reviens dans le monde des esprits. Et du coup, je vais aller revoir mon très cher ami le lapin. Alors tu vas revenir voir le lapin qui t'attend. Ouais, pitié. Donc, tu es de retour dans le monde des esprits. Et le lapin, l'esprit lapin est là. Il s'approche un peu de toi. Et tu le vois qu'il se met un peu sur deux pattes. C'est bon, ils ne reviendront plus. J'aurais fait assez peur pour qu'ils fuient cette forêt. Et il fait « Je te remercie, jeune louveteau. Tu veux désormais trouver l'esprit renard du coin ?» Et là, oui. Il t'indique. Il est là-bas. En haut, vers la souche. L'esprit renard est joueur. En tout cas, je te remercie. Et je pense que
Les lapins seront tranquilles dans cette forêt. Et tu vois qui? Il se met à partir. Et du coup, bah, je vais me diriger vers la souche. Et je vais essayer de reprendre ma forme homidée. Tu peux. Du coup, lance-moi un G, donc vigueur plus intuition cognitive. Difficulté 2. Enfin, c'est... difficulté 2 de réussite, je veux dire, excuse-moi. Alors, avec tes 1, c'est un échec. Oh. Donc, on voit que t'as du mal à te transformer. Alors, est-ce que tu veux, comme je t'ai dit, on part du principe où, quand on n'est pas dans une situation stressante, où on prend le temps de le faire, on jette pas de dés. Tout à l'heure, je t'ai fait jeter un dé parce qu'il y avait les chasseurs, etc. Mmh. Là, si tu veux prendre le temps avant d'aller voir l'esprit, tu peux reprendre ta forme humaine. Ouais, bah, je vais prendre le temps. Ok, donc tu prends le temps. Ah, tu vois que t'as du mal et tu reprends ta forme humaine. Donc tu peux changer ton token et reprendre ta forme humaine. Et je reprends ma forme avec un soupir. Et du coup, je vais reprendre mon chemin. Donc, tout le long du chemin, tu vois des trucs un peu dans les airs, un peu lumineux. Et Luna qui éclaire vraiment bien la souche. Du coup, je vais me diriger vers la souche. Et... En guettant ouais. L'esprit. Alors, actuellement, tu ne vois rien. Est-ce que tu veux tenter de dire quelque chose ou faire des recherches plus approfondies? Pour l'instant, je vais essayer de faire des recherches plus approfondies. Alors, tu peux... Tu peux déjà me lancer un... astuce plus investigation. Ouais. La difficulté... Difficulté 8. What? Oh! Le renard apparaît devant moi. Très très bonne réussite. Ok, alors tu aperçois le renard, la queue du renard derrière la souche bouger. Et tu vois le renard bouger, monter sur la souche et comme s'asseoir dessus. Tu vois un très beau renard roux, mais d'un roux brillant, d'un roux propre et très grand. Un renard très grand, très fin aussi. Et il te regarde comme avec un sourire et il penche la tête. Du coup, je vais le regarder, je vais m'incliner légèrement. Faire bonjour, esprit renard, je suis Hawk des Pins Dorés. Et on m'a donné pour mission de te trouver. Dis-moi, Hawk des Pins Dorés, que me vaut ce plaisir? Es-tu ici pour un de mes services? C'est souvent ce que veulent tes compagnons, tes congénères. Oui. J'aimerais avoir un peu de ta gnose. Et pourquoi accepterais-je? Je suis déjà content que tu saches parler et communiquer avec moi. Oui. Après, je pense que nous pouvons toujours nous arranger sur un compromis. Un compromis? Je n'ai besoin de rien en ce moment même. Mais je m'ennuie. Je m'ennuie beaucoup ces temps-ci. Et qu'est-ce qui pourrait casser cet ennui, très cher esprit? Alors, tu vois qu'il descend un petit peu et qu'il te fait un petit peu le tour de toi, tout en remontant sur la souche. Et tu vois qu'il repenche un peu sa tête en te regardant et il s'assoit. Il fait, nous pourrions nous amuser tous les deux. Ou tu pourrais m'amuser. Ok. Laisse-moi réfléchir. Ce que j'aime, c'est m'amuser et partager mon savoir. Et pouvoir, mais avec des gens malins aussi. Que dirais-tu de répondre à 3 ennemis? Si tu réussis ces 3 énigmes, je te fais part de ma gnose. Mmh.
Eh ben, allons-y alors. Alors, pour les énigmes, je vais te laisser, toi en tant que joueur, réfléchir et tenter une réponse. Mm-hmm. Si tu n'es pas sûr, si tu n'y arrives pas ou quoi que ce soit, tu vas pouvoir lancer de l'astuce avec énigme. Si tu réussis le jet, je ne te dirai pas si tu as réussi ou non. En fonction de si tu réussis ou non, je te dis la réponse. Quand tu diras la réponse, tu verras si c'est une bonne ou une mauvaise réponse. Ok ? Ça marche. Alors, tu as le droit à... tu as trois énigmes. Tu as le droit à deux erreurs. Pas plus. Ça marche. Bah, du coup, je vais m'asseoir dans l'herbe. Et bon, lui, comme position méditation. Lui s'assoit. Et il te regarde avec un sourire. Et il te fait... Très bien, alors commençons. Je serai hier. J'étais demain. Qui suis-je ? Aujourd'hui ? Très bien, jeune Utena. Je suis plutôt ravi de voir que j'ai un esprit assez vif en face de moi. Maintenant, nous pouvons commencer à nous amuser un peu plus. Je suis si fragile. Lorsque l'on prononce mon nom, je meurs. Qui suis-je ? Ah ouais. N'oublie pas que si tu n'y arrives pas, tu peux lancer, parce que c'est Hawk qui répond, donc tu peux utiliser ton astuce plus énigme si besoin. Tu peux lancer un jet. Bah, j'ai tenté un jet sur celui-là. Ok, astuce plus énigme. Je te dis pas la difficulté. Allez, je suis joueur, je claque pas le point de volonté. Ah ouais. T'as le droit à deux erreurs. Tu peux t'amuser un peu quand même. Oh. Ok. Ah. Oh. Ouais. La mort. Donc, il te regarde et il te refait « Je suis si fragile. Lorsque l'on me prononce mon nom, je meurs. Qui suis-je ?» Ah, j'ai plusieurs idées en fait qui me viennent. Allez. J'irai. Le passé ? Non, jeune Utena. Me voilà très déçu. Tu as le droit encore à une erreur. Es-tu aussi malin que le renard ? C'est un conte pour enfants que j'entends beaucoup. Alors ça m'amuse. Je suis si fragile. Lorsque l'on prononce mon nom, tu vois qu'il tourne un peu la tête et qu'il s'approche un peu de toi. Je meurs. Qui suis-je ? Il a l'air de faire une sorte de sourire un peu avec son museau. Je suis si fragile que quand on prononce mon nom, je meurs. Ah, j'ai une hypothèse. Mais, ah, si je le foire. Parce que, du coup, là, si je foire, après tu j'ai... Tu as le droit à deux erreurs. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de dépasser deux erreurs. Donc, tu peux foirer encore une fois, mais pas... Bon, allez, je l'attends, je suis très joueur. Vas-y. Le silence. Tu as réussi, Jean-Luc Tena. Je suis plutôt surpris, tu es doué. Désormais, la dernière. Quel est le mot de trois lettres que même le plus grand des sages prononce mal ? Le mot de trois lettres ? Que même le ? Que même le plus grand des sages prononce mal. Tu vois qu'il a l'air de se tordir un petit peu.
Oh, désolé, je réfléchis, hein. Pas de souci. Et même Hawk, actuellement, réfléchit. D'ailleurs, comment réfléchit ton perso? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que actuellement, dans quel mood tu es? Bah c'est comme j'ai dit, hein, position méditation. Et avec la lance entre les jambes et posée sur l'épaule, et puis tête baissée, puis réfléchie. Comme ce que Audrey lui a appris en fait. Ok. Il essaie de se recentrer. Alors, tu peux lancer le astuce plus énigme si besoin. Ouais. Et je vais mettre un point de volonté. Ok, et ça veut pas dire que astuce plus énigme, tu n'as le droit que. On va voir si tu arrives à trouver le mot directement. Parce que même avec le point de volonté, il faut peut-être pas, faut peut-être plus d'une réussite. Je vais peut-être le refaire sur deux fois. Ou Ça trois. marche. De toute façon, j'ai le Ok. droit encore à une erreur. Hein. Ouais. Tu veux tenter avant ou un truc ou pas? Non, non, bah là, Ok. j'ai. Ok. Donc, je mets mon point de volonté. Ok. Et puis. Lance un. Ok, tu peux relancer un. Tu réfléchis et tu commences à avoir une petite idée là. Ok, tu peux relancer un dernier. Si tu arrives là, quelque chose t'arrive à l'esprit. Et tu trouves, tu te dis, quel est le mot en trois lettres que même le plus grand des sages prononce mal? Et là, tu te rends compte que prononce le mot mal, MAL, c'est un mot en trois lettres. Eh ben c'est mal. Et tu vois qu'il a l'air un peu surpris. J'aurais bien voulu m'amuser un peu plus. Tu me déçois un petit peu, tu as trouvé ça très rapidement. Et il s'étourdit. Puis il fait mais j'ai beaucoup aimé la fin. Quand tu ne savais pas vraiment et tu avais l'air de perdre un peu tes moyens. Il sourit un peu. Et il te fait bon, dans tous les cas, je me suis bien amusé. Voilà ta gnose. Tu gagnes un point de gnose. Eh ben, je te remercie, moi aussi je me suis bien amusé. On pourra Et remettre ça. tu as gagné ma reconnaissance. S'il s'agit bien de ton rite, C'est cela. tu peux désormais aller voir les tiens. Ah ben, du coup je m'incline et je te remercie. N'hésite pas à revenir quand tu veux pour d'autres énigmes. J'y penserai, et ce sera avec plaisir. Et du coup, je vais me lever, puis je vais partir. Alors tu vois qu'il reste sur le tronc et qu'il se tordit encore un petit peu. Enfin, il tord un peu la tête. Et tu pars. Tu reviens dans notre monde ou pas? Bah, je vais traverser via l'Ambra pour aller jusqu'au rejoindre les autres, jusqu'au Ok. cairn. Donc tu pars au cairn, au 7. C'est ça. Donc, tu reviens. Là, tu sors de l'ombre. Et tu arrives. Tu vois devant toi un énorme Krynos qui recule. Les gens reculent. Et Kenneth, regarde ton arrivée. J'arrive avec un regard fier, la tête haute. Kenneth n'a pas un sourire. Il te regarde, te fixe. Et au même moment, tu vois Esteban arriver près de Kenneth. Et lui dire, il a la reconnaissance du renard, de l'esprit renard, de la forêt, du pain doré. Kenneth lui fait signe, il te regarde, et là un sourire arrive. Et il fait, Ok, Uctena des pins dorés, et en même temps aussi enfant de Gaïa, tu fais partie désormais de notre secte. Tu fais partie désormais de notre famille. Tu as réussi ton épreuve d'initiation. Le renard t'a approuvé. Les esprits t'ont approuvé. Désormais,
Tu vas être appelé. Tu vas être appelé. Dans une meute. Au cairn principal de la région. Pour la plus grande mission de votre vie. Mais en attendant, tant que nous n'avons pas le dernier louveteau de la meute, tu vas poursuivre ta formation avec notre théurge afin de t'améliorer. En attendant, tu peux aller te reposer, jeune louveteau. Du coup, je lui fais un signe de tête avec un sourire, puis je vais aller me reposer. Tu vois que la mère de Tanière t'attend là-haut. Bah du coup, je vais me diriger vers elle. Alors, tu entends tout le monde, ouais, tout le monde applaudir, taper des mains, et t'entends des te féliciter. Donc, tu te diriges vers la mère de Tanière. Alors, la mère de Tanière qui est là, ouais. La mère de Tanière arrive vers toi, elle fait « Je suis vraiment fier de toi, Hawk. Quand on t'a récupéré, je savais que tu deviendrais l'un des nôtres, que tu serais important ici. Je sais que tu vas vouloir rester un peu à l'écart du 7, mais n'hésite pas à venir. Tu fais partie de notre famille désormais. D'accord ? Je te remercie, mais pour l'instant j'ai un peu besoin de démêler mon esprit, retrouver un peu les fragments de mon passé, et surtout retrouver un peu de quiétude. C'est normal. La mère de Tanière te laisse. Le temps passe. Tu es toujours un peu à l'écart du groupe, n'est-ce pas ? Ouais. Tu es à l'écart du groupe, le temps passe. Tu parles de temps en temps à Kenneth, qui vient aussi te voir. Et d'ailleurs, Kenneth est avec toi ce jour-ci, un jour où il y a beaucoup de soleil. Et où la mère de Tanière passe au loin, comme si elle était avec quelqu'un. Et Kenneth est là, est assis avec toi. Et il te dit, ce serait bien, je sais que tu n'aimes pas trop les fêtes, voire quand il y a du monde, mais ce serait bien que tu assistes au moins d'ici, depuis tes buissons, à ce qui va se passer ce soir. Si c'est ton souhait, alors je serai là. Même si tu restes à l'écart, tu auras le temps de la découvrir. Et il pousse quelques branches. Et tu aperçois une jeune fille là-haut, en train de parler avec la mère de Tanière. Et il te dit, il faut savoir que c'est aussi sa fille de naissance. Et au moins elle a la chance, ils ont la chance d'être réunis. Apparemment, cette fois, oui. Et elle fera partie de ta meute. Eh ben, j'essaierai de l'accueillir de la meilleure des façons, alors. J'essaierai. Ce soir, ce sera son rite de passage. Et demain soir, vous serez tous au cairn principal pour la mission de meute. Pour clore votre rite de passage de meute. Et j'espère que les esprits ont raison et auront raison de vous. Pendant ce temps, plus loin, dans la ville du coin, une énorme usine surplombe la ville. Et beaucoup de fumée s'en dégage. Dans l'usine,
Un homme marche rapidement. Un homme avec une mâchoire très carrée. De type militaire. Il reçoit un appel sur son téléphone. Il décroche. Oui, allô ? Ouais. Oui, évidemment. Oui. Les loups vont certainement se regrouper. Je comprends, oui. Ne vous inquiétez pas. Je prépare la première équipe. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais je ne veux plus collaborer ces temps-ci avec eux. Non. N'oubliez pas qui ils sont. Ils sont tout de même des garous. Certes, de notre côté, mais ils ont décimé mon équipe la dernière fois. Et je ne veux pas que ça se reproduise. Si vous voulez que je vous débrasse de ces loups-garous, laissez-moi faire. Très bien. Et là, il raccroche. Et l'homme parle un peu tout seul et fait « Ce sera pas la première fois ».